Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à Sepel Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons ici sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. J'ai dit bien selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire le Décrit Info. C'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de venir vous partager ça. Ici, je suis dans le domaine d'opinion. Je viens tout simplement donner mon opinion. Ça veut dire que je n'oblige pas aux gens de croire en ce que j'ai dit. Parce que là, l'opinion, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue en matière d'opinion. Moi, je suis un citoyen congolais. Il arrive que par rapport à la marche de mon pays, que je vienne donner mon point de vue sur ce qui se passe. Il arrive que selon la marche de mon pays, que je vienne expliquer ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que j'expose mes propos et tant pis de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Nous sommes dans une société de démocratie et en démocratie, il n'y a pas une opinion plus importante que les autres. Non, la démocratie, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Chacun a le droit d'exprimer ses idées, chacun a le droit d'avoir une opinion par rapport à la marche de sa société. Et le cahier des charges de cette émission répond donc à cet objectif-là, celui de venir vous dire ce que M. Perrault Louara, Claude Perrault Louara, comme on appelle Sepel, M. Sepel, pense sur telle ou sur telle autre question. Vous avez aussi le droit de voir les choses différemment de moi. C'est ça la beauté de la démocratie, justement. Donc, ça ne peut pas faire qu'aujourd'hui, tous les subissants sont congolais. Poyo lobi que tu serais de sali malam. Tonga na lobi que place où tu serais de sali bien. Toi tu penses que il faut que tu serais de sali ma bête. Ceux qui ont estimé que tu serais de sali malam, na lobi ango. Ils ont estimé que tu serais de sali ma bête. Ils ont payé au lobi que tu serais de sali ma bête. Na nengi na yo. Aussi longtemps qu'on respecte les droits des uns et des autres dans notre manière d'exprimer nos points de vue, c'est ça la démocratie. Mais ce qui désole dans ça, c'est qu'il y en a qui pensent que la démocratie, c'est le règne de la pensée unique, que nous tous, nous devons voir les choses de la même manière, et qui invite les insultes et les injures dans les débats politiques. Le débat politique est tellement sérieux, à mon point de vue, qu'on n'a pas besoin de pitreries, d'insultes, d'injures à l'intérieur de ça. Non, pas du tout. On parle des choses importantes qui engagent l'avenir de notre pays, qui concernent notre avenir et notre devenir comme un peuple. Alors tout ces tralala, cet amateurisme qui entoure aujourd'hui le débat politique de certains qui pensent que pour faire passer son opinion, il faut menacer les gens, il faut les insulter. Moi, ma conception de la démocratie ne me dit pas ça. Ma conception de la démocratie ne me dit que je n'ai pas de vérité absolue. Je peux dire des choses, mais je dois aussi accepter qu'il y ait des gens qui puissent voir les choses différemment de ce que moi je pense. Ce n'est pas parce qu'il voit les choses différemment de moi qu'il devient mon ennemi, non. Ou qu'il devient un homme à battre, non. La démocratie a ses principes. Si nous voulons vraiment construire un État et une société démocratique, nous devons tous nous insérer, nous inscrire dans la logique des principes érigés par la démocratie. Merci à vous pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission. Je tiens donc à vous dire la main sur le cœur, très sincèrement, merci. Pour vos soutiens, pour vos appels, pour vos critiques, pour vos remarques. C'est des choses qui nous permettent justement d'avancer et c'est des choses qui,
qui nous permettent vraiment de corriger le travail que nous faisons, parce que nous existons, parce que vous, vous êtes là. Ce que nous les faisons essentiellement pour vous et avec vous. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. Laissez-moi aussi dire grand merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, la maman de Betoko Moquet, qui nous fait donc l'honneur de nous faire confiance avec sa boutique La Londoloise. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. N'hésitez pas à regarder le numéro que vous avez vu devant les spots publicitaires. Appelez Judith Londolé Betoko, commandez d'ailleurs, tel que je suis habillé, en partant de la montre, la veste et même ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est notre partenaire de la boutique La Londoloise qui nous a habillés ce matin. Si vous avez aimé cet habillement, appelez donc Judith Londolé Betoko. Dites-lui que nous avons vu ce que Perrault a porté. Nous l'avons aimé. Commandez et elle va vous donner. J'ai lu, j'en ai parlé hier un peu quand je disais qu'il y a des téléspectateurs qui m'ont appelé pour dire, écoute, Perrault, par rapport à cette boutique-là, j'avais expliqué un peu, j'ai dit, écoutez les amis, soyons un peu tolérants, parce que si vous nous aimez, c'est parce que nous faisons des efforts énormes pour rentrer en contact avec vous. Là où je suis, il n'y a pas du courant. Le courant est un luxe à Kinshasa. On tourne donc sous le générateur et le générateur doit avoir du carburant. Nous sommes le 29 ou le 30 aujourd'hui, je ne sais pas, c'est le 30 ou le 29. Le 30 aujourd'hui et j'ai des jeunes gens qui m'accompagnent, qu'il faut payer. Ils sont une bonne dizaine ici, monteurs, caméramens, régisseurs, preneurs de ceci, preneurs de cela. Moi, j'ai travaillé chez Jeannette Kabila à Digital Congo, vous le savez vous tous, j'ai travaillé pendant 16 ans. J'étais président de la délégation syndicale. Il y a eu un moment où on s'est rendu compte que Jeannette Kabila ne voulait plus payer les gens. Nous avions eu 14, 15, 16 mois d'arriéré des salaires. J'ai pris mes responsabilités comme responsable, comme président de la délégation syndicale des Digital Congo. J'ai demandé à mes camarades de sortir et j'ai lancé un mouvement de grève après avoir respecté la procédure. Première demande, deuxième, nous sommes allés à l'inspection du travail. Ça n'a pas marché, nous avons pris nos responsabilités. Donc j'ai quitté Digital Congo dans ces contextes-là. Je ne voudrais vraiment pas qu'on me reproche ce que moi j'ai reproché à Jeannette Kabila, notamment sur cette affaire des salaires. Je ne vous dis pas, les amis. À chaque fois qu'on arrive le 15, la tête commence à tourner parce que je me dis, à partir du 15 jusqu'au 30, il faut préparer l'enveloppe salariale des gens. Payer les charges ici, les loyers. Mais je ne veux pas vous dire quel miracle nous faisons pour en arriver là. Et quand vous avez des partenaires comme la boutique La Londoloise qui vous fait confiance, qui vous amène la marchandise et qui vous paye régulièrement, chaque fin du mois, vous êtes sûr que vous aurez l'argent par rapport au contrat. Soyez tolérants, les amis. Souffrez que j'en parle, parce que c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Quand vous regardez l'émission que nous avons faite hier, vous lisez les commentaires, j'en ai lu beaucoup d'ailleurs, merci. Vous avez vu qu'il y a des gens, il y a des téléspectateurs qui m'ont reproché le fait que j'ai dit que je suis un peu mal à l'aise, que je ne veux pas afficher « aidez-nous », numéro de la banque, numéro du téléphone. J'ai même vu un téléspectateur pour me dire qu'il considérait que c'était un peu de l'orgueil. Lisez les commentaires, vous allez voir. Non, les amis, ce n'est pas de l'orgueil. Je voudrais répréciser ma pensée. Je n'ai pas dit que je refusais vos aides. Non, pas du tout. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, on nous a caricaturés en disant ils sont contre tels, ils sont contre tels. Les menaces, les pressions. Je ne peux donc pas logiquement refuser l'aide d'où qu'elle vienne. Mais j'ai tout simplement dit que je me sentais mal à l'aise, alors très mal à l'aise, de constater, de venir comme une sorte de mendiant, en vous disant, écoutez, aidez-nous, envoyez-nous l'argent au numéro de compte tel, envoyez-nous l'argent au numéro de tel. Non, non, c'est pas de l'orgueil, comprenez s'il vous plaît, c'est pas de l'orgueil. Si vous voulez nous aider, notre numéro de téléphone est là. Appelez-nous, on discutera à la mesure du possible. Mais je n'ai, chers téléspectateurs, excusez-moi, c'est important que je précise ça. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de l'aide. J'ai vu beaucoup de vous se sont plaints de ce que j'ai dit. Non, peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Je n'ai pas refusé l'aide de nos téléspectateurs, non. J'ai tout simplement dit que je me sentais mal à l'aise
comme les autres les font. Je ne suis pas contre eux. Chacun a sa manière de voir. Aidez-nous, envoyez-nous, voici notre numéro de compte. Voici. Non, non. Moi, je considère que l'aide, elle est importante, elle est bien lorsqu'elle est faite de manière personnelle, de manière spontanée. Quelqu'un qui vous aide de lui-même, vous pouvez beaucoup considérer cette aide-là plutôt que quand vous, vous allez quémander. Donc, aidez si vous pouvez, mais excusez-moi, je suis un peu mal à l'aise d'en parler. Mais bon, je voulais quand même préciser là parce que j'ai lu, j'allais dire la colère ou plutôt l'indignation de certains de mes téléspectateurs par rapport à ce que j'avais dit. Ils ont estimé qu'ils m'aiment. Il y en a qui m'ont appelé pour me dire, Pierrot, on t'aime bien, quand il y a des problèmes, on peut aider, pourquoi tu dis ça? Non, cher frère, je n'ai pas refusé de l'aide. J'avais tout simplement dit que vous pouvez m'aider quand cela vous plaît, que vous pouvez appeler, que vous pouvez soutenir de la manière dont vous voyez être possible, mais n'attendez pas que je vienne avec des numéros de téléphone, avec un message, aidez-nous, faites ceci, faites cela. Je le ferai peut-être demain, je ne sais pas, mais... Voilà, voilà, c'était donc important de préciser ça, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors les amis, vous avez vu mon thème, aujourd'hui je vais m'efforcer de parler un peu de moi-même, de parler un peu de la politique aussi. Laissez-moi 5 minutes, vous savez le principe de l'émission. L'émission ici a un principe. Nous ne la commençons jamais sans pour autant réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République de notre pays. J'avais dit ici, les amis, que aussi longtemps que nous vivrons toujours des situations compliquées, catastrophiques comme on est en train de la vivre dans l'Est de la République, je ne m'éteirai pas, je réserverai les 5 premières minutes de tous mes éditos à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, ça viole chez nous, ça massacre chez nous, ça tue chez nous. On ne peut donc pas se résoudre à être taiseux, silencieux ici, dès lors qu'une partie entière, une partie importante de notre pays vit sous la coupe de tous les problèmes que vous connaissez. Et moi j'avais dit, je n'ai pas armes, je n'ai pas argent, je n'ai pas munitions. Ce que j'ai, c'est mon micro, c'est ma caméra, je les mets en contribution pour alerter le monde entier sur ce qui se passe chez nous. C'est tout ce que je suis en train de faire. C'est tout ce que je suis en train de faire, les amis. Dire à l'opinion nationale et internationale, écoutez, n'abandonnez pas la RDC. Nous avons des problèmes. Les mamans sont violées, les enfants sont violés, les familles sont décimées, massacrées chez nous. S'il vous plaît, aidez-nous à mettre fin à ça. Ça fait plusieurs décennies que ça dure. On ne peut donc pas assister impunément à ce qui se passe dans mon pays. C'est mon devoir de citoyen. Si une personne, si deux personnes, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai heureux et je me dirai, je suis content d'avoir fait mon travail, d'avoir apporté ma pierre de contribution à l'édification et à l'amélioration des conditions dans mon pays. C'est tout ce que j'ai fait. Ce n'est contre personne et ce n'est pour personne. C'est pour le Congo. C'est pour le Congo. Et je vous invite à avoir cet état d'esprit, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Belgique, en Australie, Singapour, Japon, vous ne pouvez donc pas vivre sans pour autant penser à votre pays. Notre pays, c'est le Congo. C'est le seul bien commun que nous avons hérité de nos parents et que nous aussi, nous avons le devoir de laisser à nos enfants. Mais moi, j'ai toujours prié pour que nous les laissions mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. C'est ça la responsabilité d'un papa responsable. Il a toujours voulu que ses enfants fassent mieux que ce que lui l'a fait. Et je suis père de famille, je sais de quoi je parle. Il y a des choses que j'ai dit ici, je mesure leur portée parce que je suis père de famille. Il y a 15 ans, je n'aurais pas pu voir les choses sous l'angle dans lequel je les vois parce que. Voyez-vous, c'est un peu ça. Donc, travaillons, prions pour notre pays. C'est vrai que nous soutenons l'état de siège, mais à l'heure où nous parlons, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que l'état de siège nous apporte. Ce n'est pas moi qui pose des questions, c'est l'honorable, Molière. Il y en a aussi des députés de l'Itouri qui estiment que l'état de siège n'apporte rien. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. Mais tout ce que nous demandons, parce que moi je soutiens l'état de siège. Je l'avais dit que je soutenais l'état de siège parce que pour une fois dans le pays, j'avais l'impression que le pays s'est arrêté au niveau le plus élevé pour s'occuper des
de l'insécurité. Donc, après, maintenant, la procédure, les résultats, les retombées, là, c'est un autre débat que l'on doit mener et que l'on doit examiner. Mais entre-temps, j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. J'ai dit toujours, si vous voulez que la paix revienne chez nous, premier élément, il faut que nous ayons une armée républicaine, une armée forte, dissuasive. Deuxième élément, nous devons être capables d'identifier la menace. Et pour moi, l'identification de la menace passe par identifier les tireurs de ficelles, les personnes qui sont derrière, les traquer et les punir. En faisant ce cocktail-là, on peut s'assurer que sur le plan psychologique, on aura touché un grand nombre et que les gens se diront, on ne tue pas un Congolais, on ne déstabilise pas le Congo impunément et ça nous permettra d'aller de l'avant. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Demain, je reviendrai, je redirai la même chose. J'ai fait 4 minutes 30 en parlant de ça. Souffrez donc que j'en parle de temps en temps. Je voudrais parler de mon sujet du jour, mais bien avant, laissez-moi exprimer tout mon soutien à un jeune frère. Un jeune frère, un ami, un confrère et un frère. Je parle de mon jeune frère Patrick Lokala. Je suis allé le voir hier dans sa cellule du cachot, du parquet, de la cour d'appel de Matete, ici à la 4e rue. Oh là là, j'ai eu des larmes aux yeux. Je voudrais donc ici lui exprimer tout mon soutien, le journaliste Patrick Lokala. Il y a quelques petites niaiseries qui se racontent à gauche et à droite. Je ne suis pas ça, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas le temps d'aller suivre tel a dit, tel a fait, parce que j'ai vu qu'il y a quelques petits malins, quelques énergumènes qui montent au créneau pour raconter leur vie. Mais concernant dans cette affaire, Lokala, là où il est, il sait que je suis son grand frère et que moi je ne peux nullement vouloir que le mal lui arrive. Il peut nullement imaginer que le mal lui arrive. Donc je lui exprime tout mon soutien. Patrick Lokala qui passe des brillantes émissions ici chez moi. Je voudrais d'ailleurs appeler à sa relaxation. Ici, j'appelle aussi un autre jeune frère. Un jeune frère qui m'écoute. C'est Jeff Kazadi, qu'on appelle Jeff Caleb. Jeff Caleb, je l'ai dit en public, je crois que les linges sales se lavent en famille. Et je ne comprends pas comment est-ce que tu arrives à trouver sommeil tout en laissant ton frère Patrick Lokala dans des conditions où il est. Je pense qu'il est temps qu'on règle ces problèmes en famille et que Jeff Caleb, qui est derrière ces dossiers de Patrick Lokala, puisse retirer sa plainte. Ça sera important. Ce sont mes jeunes frères, les deux, je parle bien avec eux. Donc ici, Patrick Lokala a besoin de mon soutien. Je l'exprime en public. Je le soutiens totalement et je prie qu'il puisse retrouver sa liberté. Les amis, je voudrais parler un peu des clubs péroulois. Katoumbiste, pas Katoumbiste, lélélé. Et je vous relaterai un peu ce qui m'est arrivé récemment à l'aéroport de Ndjili, à l'aéroport de Lubumbashi. Mais bien avant cela, laissez-moi m'interroger sur ce qui se passe dans ce pays. Hier, j'ai suivi dans les informations que, je crois qu'il s'appelle Clobert, je vais chercher le nom, le patron de Africom, la société qui a géré le parc Bukangalonzo, a vu à l'aéroport international d'Ndjili nos services refuser qu'il embarque pour l'Afrique du Sud. Je suis d'accord que M. Matata Ponyo est sous le coup d'une procédure judiciaire. C'est normal, c'est un citoyen. Si la justice de son pays a des choses à lui reprocher, la justice doit faire son travail. Mais je pense que la quête de la justice, la quête de l'expression de la vérité doit se faire dans la frontière des respects des règles, notamment les règles de la procédure, les règles des droits de la défense. Cet Sud-Africain-là est venu de lui-même. Il n'y a pas eu une commission rogatoire, il n'y a pas eu un mandat d'amener, ou je ne sais pas moi, un mandat international. Non, monsieur a quitté l'Afrique du Sud lui-même, il est arrivé ici au Congo, de lui-même pour participer à ce procès-là. Vous décidez d'une remise de 2 semaines. C'est un père de famille. Il vous dit, je rentre en Afrique du Sud, je reviens après. On refuse qu'il prenne son avion. Je ne comprends pas. Mais lorsque la justice refuse qu'un homme prenne l'avion, la justice n'est pas de la génération spontanée. Les décisions de la justice sont motivées et sont communiquées aux concernés. Est-ce que ce monsieur d'Africom là, monsieur Kobler, si c'est Klobler, si c'est qui là, a-t-il été notifié qu'il n'a plus le droit de quitter le territoire congolais? Non.
La justice a-t-elle motivé sa décision pour lui refuser les droits de quitter le pays? Non. Monsieur débarque comme ça à l'aéroport, on lui arrache ses papiers, ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Kofi Olomide, poursuivi en France pour des faits graves, je ne dis pas qu'il est coupable, aussi longtemps qu'un juge n'aura pas établi la culpabilité de monsieur Agbepa, Kofi Olomide est innocent, il est présumé innocent, moi je reste légaliste, le principe de la présomption d'innocence doit lui être appliqué. Personne ne peut dire aujourd'hui que Kofi Olomide est coupable de tel, il revient au juge de le faire. Mais vous savez, suivi le déroulé du procès, le ministère public en France a requis 8 ans de prison ferme contre M. Olomide. Je parle de 8 ans de prison ferme. Mais l'affaire est prise en délibéré. Kofi Olomide a pris son avion avant-hier, il est arrivé à Kinshasa. Aujourd'hui, il donne un concert à GD. En quoi la justice française est-elle différente de la nôtre? La justice a fait confiance à Kofi. Kofi a pris son avion, il est ici. Alors que pèse sur lui un réquisitoire du ministère public de 8 ans. Le ministère public a requis 8 ans contre M. Olomide. Mais ici, c'est monsieur-là d'Africom. Alors qu'il n'y a rien qui pèse sur lui, je ne sais pas quoi, il vient comme, je ne sais pas moi, témoin ou quoi. La justice doit élucider les circonstances. Est-il coupable? Il veut rentrer chez lui, vous l'empêchez de rentrer. Pourquoi? Et sans l'avoir notifié. Ici, vous avez un Matata Ponyo, ça fait plus de 5 mois. Il vit calfeutré chez lui à la maison. Malade, il ne s'est pas parti. Monsieur était en Guinée là-bas chez Alpha Condé, alors qu'il était conseiller spécial. Il décide de quitter en Guinée lui-même, sans que vous l'ayez pointé un fusil sur lui. Il vient pour répondre à la justice de son pays. Il est malade, il vous demande le droit de sortir pour aller se faire soigner. On refuse, on le met. Mais attendez, qu'est-ce que nous voulons exactement? Et pourquoi ça ne se passe que chez les autres? Eteni Longondo, Natangi Komane trois fois. Il a un rapport accablant de l'IGF sur lui. Et il y a des circonstances aggravantes parce que nous sommes en pleine pandémie de Covid. On dit de cet homme-là qu'il a mal géré, eux qui l'auraient détourné les frais de Covid, selon le rapport de l'IGF. Botini en a caché 3 jours sur 4 jours. Eteni Longondo est sorti, victoire. UDPS viva. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Eteni Longondo est-il plus congolais que Matata Ponyo? Kamere qui est là-bas en prison là. On connaît sa maison, on connaît sa femme, on connaît son travail, on connaît son adresse. Combien de fois on lui a refusé les libertés provisoires avant que le verdict soit rendu? Longondo, lui, il est plus important que Kamere. Lobo. On était ici, Lobo. Lobo a été arrêté, envoyé à Makala. Il a fait combien de jours? Aujourd'hui, plus personne ne nous parle de l'affaire de Lobo. Non. Nous soutenons une justice juste, indépendante. Une justice équitable. Une justice qui n'est pas faite sur base des visages des gens. Vous refusez que Grobler la parte. Vous refusez que Matata aille se faire soigner. Alors que les deux sont revenus d'eux-mêmes. Vous savez ce que je pense? Je tiens absolument que la vérité éclate au grand jour sur l'affaire de Bukangalozo. On parle quand même de plus de 200 millions de dollars américains, les amis, dans cette affaire-là. L'IGF a dit que 285 millions de dollars seraient sortis. Seulement 85 millions sont traçables. Plus de 200 millions de dollars américains, on ne sait pas pour le moment. Mais je suis congolais, j'ai soif que la justice de mon pays établisse la vérité sur cette affaire. Mais ma soif de l'éclatement de la vérité ne doit pas amener à tordre le droit et les procédures. Non. Si vous pensez que le Sud-Africain là ne doit pas quitter les sols congolais, notifiez-le. Soyons un peu modernes. Soyons un peu civilisés, les amis. Notifiez à ce monsieur-là que, écoutez, monsieur, nous, pour telle autre raison, nous estimons, puisque tu es déjà dans notre sol, il faut aider la justice de notre pays. Vous n'avez plus le droit de quitter le pays. Vous les notifiez. Peut-être qu'il a un droit au recours, il peut s'exprimer. Non, vous les laissez comme ça, il vient à l'aéroport, vous arrachez ses papiers. Ça ne se passe pas comme ça. Longondo, lui, il dépasse viva. Il est sorti
en toute immaturité, à mon point de vue, hein. Parlez vraiment, vous sautez en liberté provisoire, allez, vivre, vivre. Non. Non, les amis. Non, pas comme ça. Et ici, je ne dis pas non plus que Longondo est coupable, non. On ne l'a pas encore jugé. Je ne dis pas non plus que Lobo est coupable, non. On ne les a pas encore jugés. Ce sont des présumés innocents. Il faut respecter leur innocence. Dès lors qu'un juge n'aura pas établi la culpabilité de cela, aux yeux du monde et à mes yeux, ces gens-là sont innocents. Mais la procédure ne doit pas être différente quand il s'agit d'eux que des autres. Voilà. J'ai entendu encore que Moïse Katumbi est arrivé hier ici à l'aéroport d'Ngili. Pour sortir là de la DGM, ça, il y a eu des problèmes. C'est quoi ça? Mon Dieu, mon Dieu. On lui a refusé la sortie au salon d'honneur. Bon, ils disent qu'il n'est plus gouverneur, il n'est pas député, il est... Ah, Bandeko. Ça va changer quoi si Katumbi sort par le salon officiel là? Vous pensez que tous les gens qui passent par le salon officiel là de l'aéroport de Ngili sont plus importants, sont plus congolais que Moïse Katumbi? Et j'apprends qu'on a arraché à Olivier Kamita tout son passeport. On a déjà des problèmes avec cette histoire de Kadima que vous avez imposé par la force après un passage en force de Mbata et de Mbosso. Tant que faire c'est peu, si on peut trouver des occasions pour que la tension soit, qu'il n'existe pas de tension dans le pays, profitons-en. Vous comprenez, Babotoli, Olivier Kamita, tout passeport, les amis, je ne sais pas à quoi on veut jouer ici. Je ne sais pas. Mais n'oublions pas, ici j'attire l'attention des maîtres d'aujourd'hui. N'oublions pas, les amis, que les forts d'aujourd'hui ne sont pas les premiers forts de ce pays. Vous, les puissants d'aujourd'hui, les maîtres du ciel d'aujourd'hui, vous n'êtes pas les premiers. Que Dieu nous aide à aimer notre pays et à mettre les principes au devant de nous tous. Parce que les principes vont nous protéger plus que tout. À l'heure où nous parlons, les tout-puissants Kalev Moutonde vit calfeutré. Il est en train de vivre la clandestinité. Qui pouvait parler devant Kalev Moutonde dans ces pays? Pourquoi on est autant amnésique? Pourquoi on est amnésique? Kalev donnait des ordres pour qu'on arrache les papiers des gens à l'aéroport. Comme ça s'est fait aujourd'hui. Il est où? Il est où? Où est John Numbi? Qui pouvait parler devant le général John Numbi dans ce pays? Qui? Qui pouvait parler devant John Numbi? Qui pouvait parler? John Numbi est où aujourd'hui? Il est où? Les Kikaya ont fui comme des petits rats ici. Il est passé par l'Angola. Kikaya, qui pouvait parler? Il roulait avec des grosses motos. Boum, 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 boum. Comme si le pays leur appartenait. Okolobana Kikaya Nini. Azawapi Bandeko. Azawapi. Dans ce pays, qui pouvait parler devant Jeannette Kabila? Dada. Babenge Dada. Nalobango Migolonioso. Quand on cite son nom, Babenge Dada. Ils empêchaient aux gens de monter ici. Jacquemin Chaban ici s'est vu refuser de monter. Mavungu de l'UDPS, Kakaba même procédure au Ekosala Maléloao. Posez la question à Jacquemin Chaban qui a été arrêté ici à l'aéroport d'Ngili. À l'époque. À l'époque, Mavungu aussi, je crois qu'il a connu le même problème. Les Kalev pensaient que l'aéroport leur appartenait. Les amis, vous voulez reproduire la même chose? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez reproduire la même chose? Pourquoi le passé ne nous enseigne-t-il pas? Pourquoi nous voulons volontairement être amnésiques? Pourquoi devons-nous reproduire ça? Pourquoi? Ce qui va lobby, va lobby. Ce qui va lobby, va lobby. Ce qui va lobby, va lobby. On arrache les passeports de Olivier Kamita tout. Balobina Babo Yakota na salon. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Nous devons savoir ce que nous voulons dans ce pays, les amis. Nous voulons savoir. Nous devons savoir ce que nous voulons. Quelles sont nos priorités? On ne peut pas combattre un Kabila pour reproduire les tares et les erreurs de Kabila. On ne peut pas combattre quelqu'un et une fois qu'on est à sa place,
on reproduit le même postulat. On fait une démarche sur base des postulats et des axiomes que lui a utilisés. Ça a démontré leurs limites, ça a échoué. Je l'ai dit hier, les insultes contre les catholiques, le problème, les bras de fer, ça ne vous fera rien, monsieur Kabouya, monsieur Kabound. Ça ne vous fera pas avancer. Ça ne vous fera pas avancer. Je voudrais que l'UDPS rentre dans l'histoire par la grande porte. Moi, je suis arrivé à l'aéroport de Ndjili. J'ai vu certains esprits tordus écrire dans les réseaux sociaux. Ils disent, non, Bakanga qui était, il voulait faire le buzz. Il voulait faire le buzz. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Vous, mes téléspectateurs, vous me connaissez. Moi, je n'ai pas besoin de buzz. Ceux qui me regardent me suffisent. J'ai appris, moi, à me satisfaire de ce que j'ai. J'ai été orphelin trop jeune, 7-8 ans, mon père est parti. J'ai vécu difficilement dans ce pays. Je ne suis pas un garçon qui est né avec une cuillère d'or dans la bouche. J'ai souffert, j'ai tracé mon chemin dans le roc. Avec ma pauvre maman qui s'est battue comme un diable pour me donner l'éducation et l'instruction que j'ai aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de faire un buzz sur une akomanane. Non, j'en ai pas besoin. Si deux personnes vont me suivre, je vais me contenter de ça. J'ai appris à vivre avec un pain sec, à dormir affamé quand j'en avais pas. Le jour où on avait les pondous, j'ai mangé les pondous. Le jour où on avait les ndunda, j'ai mangé les ndunda. Quand rarement on avait la viande, j'ai mangé la viande. Et j'ai grandi comme ça. J'ai pas besoin de buzz. Si j'ai vu certains communicateurs mal intentionnés récupérer la situation et raconter leur vie sur ce qui s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport d'Ndjili, on m'arrête. À la DGM. On récupère mes papiers. On me dit de suivre les personnes. J'ai suivi, ils étaient à deux. Quatre autres personnes sont arrivées. Ils m'ont demandé de les suivre. J'ai suivi, ils sont rentrés, ils sont allés me jeter quelque part là. Je suis resté là. J'ai posé la question de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne m'a dit. Tous mes documents de voyage étaient arrachés. Étaient arrachés. Tous mes documents de voyage étaient arrachés. Quand je suis entré dans cette salle-là, j'ai trouvé un jeune homme qui était là depuis deux jours, qui n'avait pas mangé, qui n'avait pas bu. Je même demandé, je ne sais pas si c'est les geôliers, si c'est quoi, je leur ai dit, mais il ne faut pas faire ça. J'ai pris un peu d'argent que j'avais, j'ai donné à ce jeune homme-là, on lui a acheté un peu de jus pour qu'il puisse se désaltérer. Et j'ai attendu là. Trois heures après, on est venu me prendre de là où j'étais. On m'a dit non, on nous a autorisé à te laisser embarquer. J'ai posé la question, pourquoi j'étais arrêté là? Personne, ni ce jour-là, ni aujourd'hui, moi je ne sais pas pourquoi on m'a retenu à l'aéroport. J'allais à Lubumbashi rendre visite à mon frère. Et puis j'atterris à Lubumbashi au pied de l'avion, juste au niveau de la DGM. Deux autres personnes viennent pour m'arracher encore mes documents. Je pose la question, je dis qu'est-ce qui se passe? On me dit non, nous avons reçu des ordres de Kinshasa de vous arrêter à l'atterrissage et d'attendre les exécutions. J'ai dit, ok, je suis là, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. On m'a arrêté pour me libérer un peu plus tard. Ni à Kinshasa, ni à Lubumbashi, personne jusqu'à l'heure où nous parlons ne me dit pourquoi j'ai été interpellé. Mais j'apprends qu'on raconte que non. Lubumbashi, c'est le fief de Katumbi. Il serait parti voir les... Je suis mal à l'aise de parler de moi-même, les amis. C'est comme ça que vous avez vu depuis un temps, j'en parle pas parce que je pense que le Congo est plus important que moi, Claude Perrault-Louara. Mais bon, laissez-moi quand même vous donner les informations. On dit qu'il est katumbiste. Hein? Perrault, c'est un katumbiste. Hein? Il est allé là-bas pour avoir les instructions des Katumbi. Et puis revenir ici, s'attaquer au régime, à Denis Kadima. Regardons-nous un peu là. Prenons-nous un peu au sérieux. Vous pensez que M. Katumbi, s'il veut recruter un journaliste ici à Kinshasa, il a forcément besoin que ce journaliste-là prenne son avion et aille à Lubumbashi? Les WhatsApp, les messages, les messengers, tout ça, si M. Katumbi veut faire passer un message par un journaliste, il a seulement besoin que ce journaliste-là aille à Lubumbashi. J'ai vu Katumbi une seule fois de ma vie, c'était lors de sa conférence de presse. Il m'a posé la question, il m'a dit, monsieur Louara, on va vous tuer alors que c'est la première fois que je vous voyais. Ici, on a dit, non, bon, saliba, j'ai un déjà mal à Salaki. J'ai rigolé. Mais l'organisation que j'ai vue là-bas, on était 13 journalistes ce jour-là, on est parti là-bas, il y avait une grande délégation.
Katumbi a un monsieur aux côtés de lui, Salomon Iskadela. Le mode d'organisation, voyage, vous atterrissez, on vous prend, on vous amène à l'hôtel, on vous loge, tout est organisé. Je ne pense pas que des gens qui sont autant organisés comme ça ont besoin d'un journaliste pour l'amener à Lubumbashi et lui dire des choses. Non. Katumbi a organisé Genève. Tous ses opposants étaient à Genève avec l'argent de Katumbi. Logés, billets, tout avec l'argent de Katumbi. Est-ce que vous avez vu Katumbi ou Salomon Iskadela être arrêté dans le « Oh non, non, on n'a pas payé les factures, on n'a pas payé... » Vous avez vu ça? Ça veut dire qu'il y a un sens d'organisation autour de lui. Et je remarquais dans ces voyages-là qu'il avait un homme, un maître à tout faire, c'est M. Salomon Idi Kalonda. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de me prendre ici et de m'amener là-bas? Non. Les amis, je ne le dirai pas parce que je ne me défendrai jamais. Je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin de me justifier. Mais là, par rapport à ce qui se passe, je me sens dans l'obligation de vous dire deux choses. Je ne suis pas katumbiste. Le jour où je déciderai de communiquer pour un homme politique dans ce pays, je viendrai, je regarderai ma caméra et je le dirai. Je le dirai. Il y en a dans ce pays des gens qu'on connaît. Quand tu as mon ami Edmond Izouba, il vous dit que je suis camériste. Vous ne lui faites rien. Vous avez Yves Bouya qui vous dit que je suis fayouliste. On ne lui fait rien. Vous avez Peter Tiani qui vous dit, moi Peter Tiani, je suis katumbiste. On ne lui fait rien. Le jour où moi je serai tshisekediste, kabiliste, fayouliste, katumbiste, où je choisirai un de ces gens-là pour jouer leur communication, je m'assumerai moi. Je veux m'assumer. Je dirai, je suis katumbiste. Je suis kabiliste. Je suis tshisekediste. Je suis fayouliste. Parce que c'est mon droit. Mais arrêtez de me faire porter les chapeaux de ce que je ne suis pas. On me maltraite à l'aéroport, soi-disant, Katumbiste, il veut aller prendre des notions chez Katumbi là-bas. Attendez, attendez, attendez. Et même si j'allais chez Katumbi, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Mais on s'est fait maltraiter gratuitement comme ça. Le jour où je choisirai mon camp politique, je le dirai. Là, je suis journaliste. J'ai mes propos, j'ai mes convictions, je l'ai dit. D'ailleurs, parlons-en. Je vois certaines de mes vidéos être ressuscitées aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a des gens aujourd'hui qui peuvent faire des vidéos comme ils sont en train de le faire, où je défends bec ongle le régime du président Tshisekedi? J'ai défendu le régime du président Tshisekedi, moi. J'ai transformé ce plateau à un tribunal contre Kabila, qui m'avait recruté à l'époque. Qui? Y a-t-il des journalistes qui chaque matin venaient, comme je l'ai fait ici, sacrifier sa chaîne de télévision pour défendre le régime? Je ne défendais pas les régimes, je défendais des idées, parce qu'à l'époque, je pensais que les choses allaient aller comme ça. Certains m'ont dit que je le faisais parce que j'étais kassaïen. Makila est au ganga, Makila est gangi. À l'époque, j'étais pas katumbiste, j'étais pas katumbiste, non. J'étais pas fayouliste, j'étais pas kabiliste, non. Mes vidéos étaient sous tous leurs statuts. Regardez leur profil Facebook. Je suis partout dans leur profil, dans leurs vidéos. Parce qu'à ce moment-là, j'ai partagé l'idée. Je croyais qu'il fallait dire ça, il fallait faire ça. Que Kabila était un mauvais élément aux côtés du président Tshisekedi et qu'il fallait s'en débarrasser. J'ai fait des émissions ici où j'ai dit, monsieur le président, pas lui. Et je l'assume. Parce que je reste convaincu que Kabila a été un mauvais président. Kabila a détruit ce pays, oui. Mais lorsqu'on anéantit Kabila, on crée l'Union sacrée. J'ai dit au président de la République, monsieur le président de la République, dans l'Union sacrée, vous prenez tout le monde, mais faites un travail de formatage. Créez le distinguo, créez la frontière entre les antivaleurs, les choses que nous avons critiquées, que nous avons refusées de Kabila et vous. L'Union sacrée ne doit pas être un fourre-tout, monsieur le président. Et il faut que dans la gouvernance, dans la gestion de la République, qu'on sente la différence entre un homme honni qui s'appelle Kabila et l'Union sacrée. Mais quand je ne le vois pas, aujourd'hui en termes de gouvernance, en termes de faits, dites-moi quelle différence y a-t-il entre ce que Kabila faisait et ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont arrêtés à l'aéroport, il y a toujours des complications. Non, je n'ai pas le droit de les dire. Est-ce qu'on a fini Moutou Eloba, Papa Molière? Est-ce pour autant je dois mériter des menaces, des complications, l'aéroport, Koko Malissou Souté, tribunal, il est long, l'obiguna interpellation, l'obiguna parquet. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Mon Dieu, j'ai fait quoi?
ressusciter mes vidéos comme vous voulez. Allez trouver sur ma chaîne, il y a plein de vidéos où je parle pour le président Tshisekedi, son excellence, monsieur le président de la République. Où je le soutiens. Où je m'attaque à des positions de Fayulu. J'étais contre Martin Fayulu lorsqu'il s'est associé avec Théodore Ngoï pour porter plainte contre le président de la République. J'ai dit non, ça c'est faire l'élite de Kabila. Je l'ai dit. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Les lignes n'ont pas bougé. Nous sommes à mettre dans la catégorie des déçus. Des gens qui ont cru que ça pouvait changer, ça ne change pas. Je presse aujourd'hui pour les blocs là. Que Kabila aille là-bas. Que Katumbi aille là-bas. Que Fayulu aille là-bas. Messieurs, mettez-vous ensemble. Luttez contre cette forfaiture de l'Union sacrée. Le pays est en danger. Je parle de la forfaiture de l'Union sacrée dans l'affaire de Denis Kalima. Les élections est une affaire qui nous concerne nous tous. Les élections est une affaire qui suscite les tensions. Quand je sens que le passage en force que nos amis de l'Union sacrée avec Mbata et Mbosso en tête sont en train de faire va nous mettre en danger. Quand je sens que la République est en danger, c'est mon devoir comme citoyen de dire, les amis, la République est en danger. Monsieur Fayulu, je le dis et je le répète, n'écoutez pas les bruits des tambourinaires. Ceux qui veulent faire les chantages en disant Kabila, Kabila, ceux-là ont travaillé avec Kabila. Ils ont signé des accords avec lui. Ils ont été en Buena Lodge avec lui. Messieurs, mettez-vous ensemble. Créez un rapport de force pour s'opposer à cette forfaiture de M. Denis Kadima que l'Union sacrée veut nous imposer. Vous sauverez la République. Suscitez encore des vidéos. Ne vous fatiguez pas. Allez, allez encore réveiller des vidéos. Il y en a plein de vidéos, mes vidéos sur Internet. Je ne supprime pas mes vidéos, mais ma chaîne est là, dans laquelle je m'en prends Martin Fayulu, sur une question donnée. Quand il s'est allié avec M. Théodore Ngoï contre M. Tshisekedi, j'ai dit que c'était faire l'élite de Kabila. Mais le contexte ici, le président de la République, l'Union sacrée ne nous laisse aucun choix. Les ennemis d'hier vont s'unir aujourd'hui pour sauver la République. Et parmi ces ennemis-là, si Kabila comprend ça, monsieur, allez avec lui, sauvez-nous. Créer un rapport de force contre l'Union sacrée. C'est notre pays. Les gens ont décidé comme ça de faire un passage en force. Attendez, attendez. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Allez. Cherchez encore d'autres vidéos de moi. Il y en a plein. Sortez. Pasteur Andolo Banani. Pasteur Apimber à la limite. Marcelo Tundas. Allez. Filmez-moi. Mettez ça sur internet. J'assume ici que je soutiens son excellence monsieur le président de la République, que je continue à le soutenir. J'assume ici que j'étais contre certaines positions des gens parce que je croyais à l'idée, mais je suis un maître dans la farde des déçus. Nous avons cru que le problème c'était Kabila. Aujourd'hui, l'anti-kabilisme n'a plus de voix. Ça devient inaudible. On ne sait plus l'entendre parce que les méthodes n'ont pas changé. Les pratiques n'ont pas changé. Nous avons eu une alternance sans alternative avec nos amis de l'UDPS. Ah ben, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je ne me dédie pas. Je l'ai dit. Je ne me dédie pas. Je l'ai dit. Si vous voulez aller réveiller mes vidéos... Allez réveiller mes vidéos, faites-le. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Non, une moratilinga, devoir de mémoire. C'est pas vrai. Devoir de mémoire. Non, je reste focus sur ce que je pense. Et j'ai dit ça ici hier. Que l'UDPS nous a dit que l'Église catholique était du côté du peuple. Or, l'Église n'a pas bougé. Donc, c'est l'UDPS qui n'est plus avec le peuple. C'est l'UDPS qui n'est plus du côté du peuple. L'Église est restée là. Nous soutenons l'Église. Messieurs, mettez-vous ensemble. Sauvez la République. L'Union sacrée a décidé de nous mettre en danger en nous imposant Denis Kadima. De manière illégale. La procédure, le procédé... Je n'ai rien contre Kadima comme individu. C'est le processus qui amène à la désignation, à l'entérinement, à l'investiture, à la prestation des serments et à la remise en prise de Kadima qui me fait mal. S'il est congolais,
peuvent se réunir pour sauver leur pays en danger. Mettez-vous ensemble. Quand la République est en danger, il n'existe plus de Fayoulou, il n'existe plus de Kabila, il n'existe plus de Tshisekedi, il n'existe plus de Bemba, il n'existe plus de Louara. Il existe le Congo. Ici, le Congo a un problème. Avec l'imposition et le passage en force de Denis Kadima, messieurs, mettez-vous ensemble. Créez un rapport de force pour faire bouger les lignes et faire reculer l'Union sacrée. Je le prêche, je le dis et je le redirai. Si demain aussi dans votre bloc, je sens que la situation commence à prendre une tournure qui ne rentre pas dans mes convictions, je reviendrai ici pour dire aussi, Congolais, ne faites pas confiance à ça. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, non. Ce que j'ai dit ici, j'allais parler de l'aliénement, non, c'est pas, je suis pas, on peut pas m'aliéner comme ça. Cet attachement-là de mes propos est tributaire au comportement. Je soutiens le bloc, mais le comportement du bloc doit être digne de mon soutien. Si je trouve que le bloc que j'ai soutenu là fait des choses qui ne sont rentrent pas, qui ne sont pas dignes de mon soutien, je redirai autre chose, je reviendrai, je dirai aux Congolais, à mes téléspectateurs, ceux qui me suivent, que ça, c'est pas ça. C'est comme j'ai dit maintenant pour l'Union sacrée. Waouh, comme j'ai débordé, je suis à combien de minutes? Ouh, 48? 45 minutes, oh là là, pour une émission de 30 minutes. Bon, j'ai fini l'émission les amis, ça a été un grand plaisir de vous parler. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.